De retour dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, toujours en compagnie du président du conseil régional du Bakay, le ministre Jacques Conan Assaoré. Rassemblement et solidarité, c'était le nom de la liste que vous avez conduite au régional de septembre 2023. Comment s'applique sur le terrain ce slogan? Je voudrais d'abord dire que ce slogan est tiré de l'histoire récente de notre région. Au sortir de la crise, nous avons constaté que la région était divisée. Était divisée en deux camps, en deux clans, en deux partis politiques. Mais on ne peut rien faire sans union, sans solidarité, sans cohésion. Pour développer, il faut être unis. Nous avons voulu unir les fils de Bekay afin d'amorcer le développement. Et cela s'est senti dans les résultats que nous avons recueillis lors de ces élections. Que ce soit à Boaké, Intramuros, que ce soit dans la région, nous avons recueilli un maximum de suffrages sur notre personne. Cela veut dire que c'est une attente pour les populations, l'union. Et c'est ce que prône le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui ne rate aucune occasion pour dire que on ne peut rien faire sans l'unité, sans l'union, sans la solidarité. Sur le terrain, c'est ce que nous matérialisons au quotidien. Nous faisons en sorte que à chaque activité, chaque investissement que nous faisons, que chacune et chacun des fils de cette région se retrouve. Quand on fait un investissement, ça doit servir à chacun et à chacune. C'est un peu, si vous voulez, notre philosophie, notre idéal de fonctionnement. Même dans la composition de notre conseil, nous avons fait en sorte que ce soit un conseil qui soit équilibré, qui tienne compte de la composition sociologique de cette région. Et donc, c'est primordial. Si on perd de vue cela, on rate l'occasion d'unir les fils et filles de Boaké et d'aller de là. Je voulais profiter pour dire que, vous savez, Boaké, c'est une ville cosmopolite. Je le dis pour beaucoup de gens. C'est vrai, sociologiquement, c'est une ville de Bekay, de la communauté Baoulé. Mais en même temps, on a accueilli sur notre sol nos frères des autres régions de Côte d'Ivoire, des autres régions de la sous-région. De la sous-région. Aujourd'hui, Boaké, c'est une ville cosmopolite. Et comme le dit l'adage, la beauté d'un tapis provient de la variété de ses couleurs. Vous voyez, ce pain, il est beau parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Donc, le fait que Boaké soit composé de plusieurs communautés, ça donne de la valeur à cette région. Et c'est une richesse. Je le dis toujours, les États-Unis, qu'est-ce qui fait la force des États-Unis? La multiculturalité. C'est la multiculturalité. Et Boaké a cette chance d'être multiculturel. Nous devons en profiter plutôt que cela soit, plutôt que cela nous tire vers le bas. Mes parents sont originaires du Bekay. Ils ont immigré dans le sud-ouest, à Saint-Fra. C'est là-bas que je suis né. Saint-Fra, c'est la région Gouro. C'est là-bas que je suis allé à l'école. J'ai grandi. Et pour aller à l'école, on m'a envoyé chez un musulman. C'est là-bas que j'ai grandi. J'ai passé la plus grande partie de mes études scolaires chez lui, chez un musulman. Et quand je devais me marier, je me suis marié à une femme du centre-ouest, de Gagnoa. Vous voyez, je suis le produit de la multiculturalité. Alors quelqu'un comme moi ne peut que chérir la multiculturalité. Plusieurs réalisations sont déjà à l'actif du conseil régional. On peut citer entre autres la remise d'infrastructures scolaires ou encore sanitaires. À quoi doivent encore s'attendre les populations du Bekay de la part de leur conseil régional? Alors, je vous ai dit ma vision. Quand on vous confie une responsabilité comme celle-là, vous devez avoir une vision. Je veux être président du conseil régional, c'est pour faire quoi? C'est ça la vision. Avant de savoir qu'est-ce que vous mettez en œuvre comme action pour atteindre la vision. Moi, ma vision est déclinée sur trois axes. Le premier axe,
c'est de renforcer les infrastructures existantes. Une des missions principales du conseil régional, c'est de doter la région d'infrastructures socio-éducatives de base, écoles, infrastructures routières, infrastructures sanitaires, adduction d'eau, électrification. Ça, c'est une des missions. Mes prédécesseurs, malgré les difficultés, ont entamé ce processus. Je voudrais rendre un hommage au président de la commission spéciale, le préfet de région, M. Thiot-Fouzier, qui, malgré les difficultés, les contraintes réglementaires, a posé un maximum d'actes dans ce sens. Je voudrais le féliciter et le remercier. Venu aux affaires, mon rôle, c'est de renforcer cela, faire en sorte d'amplifier les constructions d'écoles, les constructions de centres de santé, les réhabilitations des routes, adduction d'eau, électrification. Et nous sommes dans le processus. Le deuxième axe de ma vision, c'est de créer des infrastructures susceptibles d'apporter des ressources propres à une collectivité. On ne peut pas développer une région sans avoir des ressources. Aujourd'hui, nos régions, c'est l'État qui nous donne 90% de nos ressources. Ce n'est pas normal. Moi, je viens du Trésor, j'ai appris à chercher les ressources. Dans les 5 ans qui viennent, nous allons faire en sorte que le conseil régional développe un ensemble d'activités génératrices de revenus pour le conseil. J'ai dit aux collaborateurs, d'ici 5 ans, nous devons être en mesure de payer nous-mêmes les salaires et une partie des dépenses de fonctionnement avec nos ressources propres. Nous sommes en train d'y travailler. Le troisième axe, c'est redorer le blason de Bekay. Redorer le blason pour les contextes sur lesquels on est revenu suffisamment à l'occasion de cette interview. Parce que nous avons été l'épicentre de la crise, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, il y a eu une crise interne au Conseil lui-même qui a discrédité un peu ce Conseil qui ne lui a pas permis de travailler. Nous devons développer un certain nombre d'activités qui vont redorer le blason du conseil, qui vont faire en sorte que quand quelqu'un décide d'aller quelque part se distraire, après avoir choisi Assini, après avoir choisi Jacqueville, après avoir choisi San Pedro. San Pedro, qu'ils disent non, je vais à Gbeke. Nous allons faire en sorte que, avant même de choisir Assini, on vienne dans le Gbeke. C'est ça notre ambition. Vous l'avez dit, votre nom a longtemps été associé au Trésor. Comment toute cette expérience profite-t-elle à la population du Béquet? Alors, j'ai passé 33 ans au Trésor, dont 7 ans en tant que premier responsable de cette importante régie financière. Au Trésor, j'ai essayé de mettre en place une culture, un état d'esprit importé du privé. Je disais aux collaborateurs, nous sommes tous ici des mêmes écoles, ceux qui sont dans le privé comme ceux qui sont dans le public. Comment se fait-il que lorsque nous nous retrouvons dans l'administration, on dise non, au privé, ils sont mieux que dans le public? C'est une façon de voir les choses que moi je n'accepte pas. Donc j'ai essayé simplement au Trésor de copier les valeurs du privé et de les implémenter dans le public. C'est pas facile, je vous l'avoue, c'est pas facile. Parce que les mentalités sont les choses les plus difficiles A changé. à changer. Mais j'ai essayé, j'ai posé les jalons. Et au niveau du conseil, c'est le même état d'esprit que j'essaie d'inculquer à mes collaborateurs. On peut travailler dans l'administration, dans le public, en ayant une planification. Quand vous êtes à un poste de responsabilité et une vision, je vous l'ai dit, je leur ai communiqué ma vision. Je leur ai dit, pour atteindre cette vision-là, qu'est-ce qu'on peut faire, poser comme acte? Il y a un ensemble d'actes que nous allons poser pour atteindre cette vision. Et puis derrière,
c'est la mobilisation des ressources, ressources financières, ressources humaines. Ressources, c'est des processus support. Les ressources financières, il faut les trouver. Nous allons mettre en place un certain nombre d'activités, d'investissements qui vont nous apporter des ressources, qui viendront en complément des ressources de l'État pour nous permettre de mener à bien nos activités. Les ressources humaines, nous trouvons en place des personnes qui sont déjà formatées, qui ont une certaine façon de penser et de voir les choses. Il faut transformer cela pour que ces personnes adhèrent à votre vision. Ce travail, nous sommes en train de le faire pour que ces personnes partagent notre vision et qu'ensemble, on puisse travailler à atteindre l'objectif ultime que nous sommes fixés. Donc, c'est un travail de longue haleine. Certainement, 5 ans ne suffiront pas, mais nous allons travailler pour poser les jalons et faire en sorte que nous puissions vraiment aller dans le sens que nous souhaitons, qui s'inscrit dans la vision même du chef de l'État. Vous êtes également ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. C'est une fonction qui demande de la disponibilité. Alors, comment arrivez-vous à concilier cette fonction gouvernementale avec celle de président de conseil régional? Je voudrais déjà saluer le président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, de m'avoir confié cette responsabilité. Vous savez, aujourd'hui, les défis environnementaux, le réchauffement climatique, c'est le défi majeur de toute l'humanité. Les actions humaines, les actions anthropiques ont transformé la nature, ont déréglé la nature. Les conséquences, nous les connaissons. C'est la chaleur extrême, c'est les inondations, c'est les sécheresses, c'est les feux de brousse, c'est la baisse de productivité agricole, c'est la baisse de productivité industrielle. Et aujourd'hui, si on ne fait rien, on ne fait rien, l'humanité va au-devant d'un gros danger. Donc, c'est une activité, un ministère qui est très prenant. Maintenant, comment je concilie ces actions avec les actions du Conseil? C'est une question d'organisation. C'est-à-dire? Une question d'organisation. Il faut organiser. Nous avons des collaborateurs. Il faut définir la stratégie et les priorités. Amenez vos collaborateurs à adhérer à votre stratégie, à votre vision et à vos priorités. Les mobiliser autour de cette stratégie et de ses priorités et coordonner. Quand vous devez coordonner, quand vous avez mis tout ça en place, vous faites la coordination. Quand il s'agit de coordonner, vos tâches se simplifient. Mais quand vous portez tout ça sur vos propres épaules, quand vous voulez être vous-même au début et à la fin de toute chose, c'est ce qui complique le travail. Monsieur le Président, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie également de nous avoir reçus chez vous, ici à Boaké. Je rappelle que vous êtes le Président du Conseil Régional du Bekaï, également Ministre de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition écologique. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.